Quoi, parashat Bechukotai, Yom Chamishi. Ve'afalzot v'yotam beretz v'hem v'gomer, v'gam zot v'av kemad atamer af ani. Gam l'rabot k'neset Yisrael dikre zot, d'la shavekan non le'almin. V'yotam beretz v'hem, v'yotam kol ha'kachada, lo me'asim v'lo ge'altim begin d'la itchaber be'u. L'afer v'reti itam, d'ila ev chok le'u. Ha'v'reti falik. L'afer v'reti itam. Il est écrit Af Gamzot et même encore elle. Il dit donc, c'est une répétition. Af veut dire Akadosh Baruch Hu, qui est avec Ben Israël dans la galoute. Comme c'est écrit Af Ani, moi aussi, et nous avons appris plus tôt dans nos Zohar que quand c'est Af Ani, donc c'est moi aussi, on parle de Hachem. Et quand c'est écrit Gam, donc il y a Af et Gam, Gam. C'est Knesset Israël, qui représente aussi la Shekhina. Hein? Et je veux dire Gam plutôt Knesset Israël. Et la Shekhina, elle s'appelle Zot. Donc Af Hashem, Gam Knesset Israël, et Zot, c'est la Shekhina. Donc il descend aussi en galoute avec Ben Israël, et qu'il ne les abandonne pas. C'est donc ça la Kavana de Zot. Et tant qu'ils sont ensemble, avec Bnei Israël. Alors Hachem est en quelque sorte avec eux, pas dans la galoute, mais il a un lien avec eux. Et c'est pour ça qu'il est écrit que je ne ferai pas quelque chose qui me dégoûtera d'eux. Pourquoi? Parce que alors là, j'annulerai mon alliance avec eux. Et donc, je ne peux pas le faire ça. C'est pour ça qu'il est écrit les affaires veritimitam. Donc d'abandonner ou de détruire mon alliance avec eux, on verra que ce n'est pas possible. Parce que Itam, ça inclut aussi la Shekhina. Amar Rabbi Chaya, Anashamana Milachata de Amar Rabbi Lazar, Lome Asim, Logaaltim, Lechalotam, Loketivu, Yargatim, Lechalotam, Yvaele, et la Lome Asim, Velagaaltim, Made, Desane, Yalcham, Maishu, le Kabele, Ogarlahu, Begi, Roulam, Kame. Donc, avec Ria, j'ai écouté une autre explication que avait dit Rabbi Elazar. Ils ne m'ont pas dégoûté c'est écrit ils ne m'ont pas dégoûté. Il dit c'est comme c'est dans l'exemple de quelqu'un qui a un ennemi, et donc à chaque fois que cet ennemi se trouve proche de lui, il est dégoûté, il a un mauvais sentiment. Il dit mais c'est pas écrit comme ça, c'est écrit lo garati, dire je ne sais pas, ils ne m'ont pas dégoûté. Il dit pourquoi? Il dit parce que j'ai un attachement profond avec eux, et quand on parle eux, s'incline la Shekhina. Et donc, à cause d'elle, ils sont chers pour moi. Et c'est pour ça que les kalotam, donc pour les éliminer, les kalotam, c'est écrit sans le vav. Et donc, on peut lire les chalatam. Et chala, c'est comme kala, c'est-à-dire la fiancée. Donc, à cause de leur fiancée qui est la Shekhina, ils ne m'ont pas dégoûté. Pourquoi? Parce que, étant donné qu'elle est chère pour moi, et donc mon amour est avec elle, et elle est avec eux. Il dit les barnages de la chim, ite tabeva de rabe shuka de boustike, i la hava itaman la alebe le almin, ke van de itaman ke de meno bi shuka de ruchle de cholichin de alma tavin shakhotaman, ufacha. Il dit, c'est similaire à un homme qui aime une femme. Mais cette femme, elle habite dans un chouk, dans un marché où il y a des vendeurs de peaux. Et bien sûr, c'est vendre des peaux, et donc une odeur très mauvaise.
Et s'il n'y avait pas cette femme qui était là-bas, cet homme-là n'irait pas dans ce chouk. Mais étant donné qu'il va là-bas pour elle, alors même ses odeurs ne le dérangent plus. Pourquoi? Parce qu'il va être avec elle. Il dit la même chose pour Hachem. Malgré que l'Israël se trouve dans des endroits où Hachem ne veut pas être, mais étant donné que l'Israël se trouve là et qu'il est attaché à eux, alors donc il va. Il dit, Rabbi Yossé répond, il dit, si j'étais venu dans ce monde juste pour écouter ça, ça m'aurait suffi. Fatah Rabbi Yossé Vamar, Ben Ikabed Av et Aved Adonav, Ken Ikabed Av Kemadea ta mère. Et Rabbi Yossé, c'est écrit, dans le kavod, un homme donne le kavod à son père et un servant, un serviteur à son maître. Le fils qui donne le kavod à son père. Il dit, il doit le faire en leur donnant à manger, en leur donnant à boire, et ce qu'il faut. Mais qu'est-ce qui se passe? Si le père meurt, donc le fils n'est plus obligé de faire ce kavod-là. Il dit non, même qu'il est mort, il doit continuer à faire le kavod pour son père. Pourquoi? Parce que la neshama de son père a besoin pour qu'elle puisse monter dans un endroit en haut. Et donc, c'est pour ça que c'est écrit kaved, c'est dans le sens présent. Il dit, le fils va dans un mauvais chemin, alors il fait honte à son père. Dans le contraire, si il le fait, il rectifie. Et qui va dans le bon chemin, alors là, il donne le kavod à son père. Dans ce monde-ci, parce que les gens disent, hein, heureux celui-là qu'il a mis au monde. Et il lui donne aussi le kavod dans le monde, dans le de l'Olam Haba, parce que Akadosh Baruch Hu a pitié pour cette personne-là, il lui donne un bon endroit où être. Vada ben chavedav ki gon rivi lazar diu ki lel avoy be alma beu alma. Il dit, bien sûr, un homme doit faire donner le kavod à son père, comme Rabbi Elazar, qui a donné le kavod à son père, ici dans ce monde, et ici dans le monde après. Pourquoi? En donnant toute cette importance aux écritures de Rabbi Shimon Bar Yochai, hein, de s'assurer qu'ils allaient être transmises. Il dit donc, c'est pour ça que Rabbi Lazare a aussi eu le mérite d'avoir des fils tzadikim. Il est heureux ceux qui méritent d'avoir des enfants tzadikim. Comme c'est écrit, Koro et Amikarum, tous ceux qui les verront les reconnaîtront. Pourquoi? Parce qu'ils viennent d'une bonne origine. Pour Hachem, Amen.